Ryan Cocard, qui est le vainqueur de l'épreuve. Des hommes de tête, Valentin Madouas va-t-il arriver seul? Et le peloton est revenu donc avec le retour donc de Brian Cocard. Vous avez levé les bras tous les deux. Brian a levé les bras, toi tu as levé les bras également. Tu savais que tu as gagné ou tu as attendu le verdict des commissaires? Non, j'ai attendu le verdict parce que voilà, moi j'ai vraiment levé les bras sur la ligne. Je ne les voyais pas arriver, donc je me suis dit... pour moi, j'avais gagné. Puis quand je les ai sentis arriver sur la ligne, je savais vraiment pas parce qu'ils allaient bien plus vite que moi. Et bon, voilà, finalement, le verdict est tombé. J'ai gagné. Pour moi, c'est vraiment super. Ouais, c'est sûr que je suis déçu pour l'équipe parce qu'on a bien bossé. Mais d'un autre côté, on n'a pas fait d'erreur. En tout cas, on a fait le maximum pour arriver au sprint. Valentin a anticipé le sprint. Il a bien joué. Nous, on manquait un peu de main-d'œuvre avec Christophe dans la dernière ligne droite, il y a eu un petit coup de temps mort, c'est ce qui nous coûte la victoire, je pense. Mais bon, ouais, j'ai pas grand-chose à me reprocher. J'ai bien jeté mon vélo, j'ai été regarder la photo finish et ouais, il a bien gagné. C'est sûr que c'est vous qui m'avez semé le doute. Ah oui, parce que moi, devant nous, tu étais en tête. Et puis comme l'écran, moi j'avais l'image à 1 km de l'arrivée, donc j'ai regardé là, je t'ai vu lever les mains. Puis j'ai pas vu Madouas qui est passé de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit moment. Puis on nous a dit à la photo finish que c'est Valentin qui gagne.